Non, mais on a parlé là qui ça MTV a pris les casiers. Donc MTV jeudi a son parti qui gagne qui prend une nouvelle direction depuis qui a un nouveau comité de gestion en tête li et depuis le 1er août après que docteur Pierre Reginald Boulos qui c'est principal initiateur mouvement ça t'est démissionné de directoire parti a et jeudi a son parti qui a évolué total avec et totalement avec totale indépendance li de principal fondateur li docteur Boulos comité de gestion nous dirige parti a en toute autonomie contrairement à ça que perception a t'avle fait quoi pour ça il est important pour ça il est important pour souligner que parti a li a fonctionné avec totale indépendance vis-à-vis de docteur Boulos parce que depuis dans genèse MTV en pile monde toujours fait quoi que MTV c'est un parti qui a tourné autour de yon monde c'est un parti qui côté que principal fondateur li nous capable dire même gens ça fait dans plusieurs autres parties c'est mettre seigneur là dans ce n'était jamais mais le cas il toujours dans toute interview prend le soin pour que moi souligner que MDV c'est un parti qui gagne en ambiance démocratique là-dedans MDV c'est un rare parti dans pays ça un jeune garçon un jeune femme un monde dans diaspora ou gagne toute chance pour émerger il suffit que ou crédible il suffit que ou capable porter projet parti a il suffit que mambio yo capable faire confiance et par exemple nous pral organiser congrès nous bientôt donc je dis a n'importe membre capable concourir pour venir président secrétaire général vice-président coordonnateur de région n'importe l'autre poste qui dans directoire parti a donc c'est nous kembe promesse de départ nous te voulait faire un parti mais qui c'est un véritable institution politique qui pas ni tourner autour de un monde ni tourner autour de un clan nous capable toujours gain plusieurs courants en dapatia qui a et confronté par exemple tout récemment tu gain plusieurs courants tu gain un courant qui te voulait que nous t'arrêter en dans accord en septembre là tu gain un courant qui te voulait que nous sorti à un certain moment et moi ou tu l'était même prend forme de deux MTV ensemble deux MTV mais en réalité c'est pas de ça et c'est pas de ça et nous niveau de maturité politique nous et le fait que membre yo très attaché à vision parti à tout ni après le départ de docteur Boulos ni après quelques monde t'ai décidé que yo même yo y a quitté parti à parce que nous t'ai sorti dans accord et en septembre blanc et bien parti à li survive tout ça et je dis à MTV li gagne une chance pour li vinn pi fort parce que d'abord et perception que et c'était docteur Boulos qui était comme président parti a qui était déjà et candidat à la présidence parce que le parti ça vrai qui t'a fait toute bagarre dans parti a li cassé et de plus en plus l'a éloigné de opinion publique là et je dis à MTV a évolué avec un leadership collectif et toute commission nous yo en place nan pas gon commune dans pays qui pas gon coordination de MTV Haïti nous gagnons 19 régions et jodi a n'a implanté en Amérique du Nord nous fait implanter en Amérique du Sud et dans Caraïbes là récemment le coordonnateur général du parti monsieur Fedner Milfort est rendu visite à coordonnateur et Amérique du Sud et Caraïbes là qui établi en République Dominicaine et jodi a là n'a implanté les coordinations locaux c'est-à-dire dans les sections communal. Donc, les m'a parlé de MTV qui c'est un parti qui, je dis à la directive que le comité a lié à bail avec différentes coordinations régionales, nous, orientation que parti a pris. Les m'a dit que nous a évolué en toute autonomie. C'est avec fierté que m'a dit. Parce que moi-même, t'es à la base de MTV tout le monde, nous connaît ça. Et en pile fois, yo, y a des monde qui étaient très sceptiques, y a des monde qui étaient tout simplement développer des préjugés même par rapport avec MTV et nous t'ai toujours dit le docteur Boulos t'ai toujours dit l'autre membre t'ai toujours dit nous pas faire en partie pour un monde nous pas faire en partie pour un clan n'a fait en partie qui c'est une véritable institution politique qui appartenu à tout membre et je dis à docteur Boulos il pas gagné plus pouvoir que aucun autre membre qu'un simple membre de MTV Haïti. Il a toujours été membre fondateur et très influent. Ou bien il s'est mis en retrait. C'est quoi sa situation au sein du parti? Écoute, en 2022, docteur Boulos a gagné des épreuves de situation santé. Il ne peut pas permettre qu'il ait gagné toute pression politique. C'est une épreuve pour lui. De plus en plus, il a fait mieux. Je dis, il a occupé de santé, il a occupé de petite. Et moi, je fais ça avec en passion
et je dis à lui pas gagner bon bien un père n'abandonne jamais et ses enfants et lorsque ça fait c'est une exception donc il était un membre de MDV Haïti mais c'est un membre passif je peux dire aujourd'hui maintenant les monde qui a regardé monde qui connaît histoire partie et qui connaît et relation que quelques monde qui a dirigé partie a gagné avec monsieur Boulon c'est comment et l'autre monde qui t'as pas d'accord avec lui qui j'ai quitté Patia et il pensait que monsieur Blos toujours influent dans la mesure où monde qui a dirigé c'est des monde qui toujours et Babel dit chevillé avec lui ben c'est des monde qui toujours été proche lui et quasi ça argument ça okay, c'est il était une perception et nous combattre lui dans limite que nous capable river mais lui extrêmement reconnaître que lui extrêmement difficile pour finir pas faire tout le monde comprendre que docteur Boulos il pas toujours gagner influence dans parti parce que dans pays a gagne pratique que parti politique yo créé pour un monde yo toujours tourner autour de un monde gagne des monde qui dans tête en parti depuis l'elle créé gagne des monde qui était candidat en 2015 yo tout candidat pour prochaine élection dans parti a donc on s'est fait une promesse on a fait une promesse à la jeunesse aux femmes à la diaspora aux paysans pour nous créer un parti qui pas pour un monde n'a créé un parti côté que d'abord nan genèse parti a nous capable faire émerger principalement deux catégories et ça nous t'est tenu compte de ça ce sont d'abord les jeunes qui représentent un autre regard et une autre façon de faire la politique mais aussi les femmes qui très souvent yo pas ba yo assez d'espace qui très souvent yo quitté yo derrière donc je dis à me capable dit et toujours m'a pour dire encore c'est avec fierté que m'a dit que nous a dirigé en parti je dis à côté qui tourné vers l'avenir qui est très préoccupé par situation pays a mais c'est un parti qui est en train de s'institutionnaliser au jour le jour okay. Donc c'est une promesse que nous t'ai faite nous dès le départ et jusqu'à présent on capable dire avec fierté nous kembel par exemple décision pour nous sortir dans accord décision pour nous passer accord 21 décembre décision pour que nous orienter parti à de telle ou de telle manière ce sont des décisions autonomes du comité de gestion en pile monde t'ai pensé que avec le retrait du docteur Boulos du directoire du parti MDV l'était pral effondré mais c'était bien côté mal calculé c'est des monde qui pas bien comprendre dynamique d'émergence MDVA avec un bon jeune garçon, un jeune femme, un bon monde dans toute catégorie sociale dans le pays, qui soif pour que nous voyons que la vie politique, li changer dans le pays, il y a une autre culture politique qui a émergé, il y a toute une autre, d'autres manières, d'autres pratiques que nous mettons en avant au lieu de ça que nous apprenons depuis 30 ans dans le pays. OK. Et secrétaire général Kazir, aussi secrétaire général MTV Haïti, où évoqué à plusieurs reprises signature et accord 11 septembre et où est très nous de accord ça et monde qui a observé évolution parti a pensé que la signature de l'accord et le retrait de MTV Haïti de cet accord a ébranlé l'évolution même de ce parti. Qui sont qu'à répondre par rapport avec ça? Qu'est-ce qui s'est passé? Le nous signer l'accord là et le nous souhaiter quitter l'accord là, Kazir. Bon, m'a dit deux bagailles. M'a d'abord expliqué pour qui ça que MTV a signé l'accord en septembre. Et nous avons deux possibilités. C'était trois de signer accord 30 août là que est accord tout Montana ou bien de signer accord en septembre là. En fait, absolument. Oui, en fait MTV dans moment ça li te vle gagner un accord qui rassemblait le plus largement possible. Nous avons en pile réserve pour que nous te signer accord en septembre là. D'ailleurs tout jour signature accord nous pas présent. Nous très actifs dans moment ça pour nous encourager l'autre parti politique, l'autre force venir sous table là. Mais la veille après que en pile l'autre parti organisation te fini signer, nous fait une réunion entre nous et concertation que nous faisons dans parti à nous venir d'accord pour nous signer accord en septembre là pour deux raisons. Première raison, c'est parce que pendant deux dernières années, soit 2019 et 2021, nous avons fait expérience signée de documents qui n'ont jamais été appliqués. Parce que c'était une stratégie à 180 degrés. C'est-à-dire que c'était une partie dans ce cercle-là. Monde qui partageait même point de vue sous transition. Et puis l'autre partie, nous n'avons jamais approché. Donc, pas aucun document qui était jamais signé avec président Jovenel Moïse. Eh bien, nous dix fois ça,
on va faire preuve d'un peu de pragmatisme parce que document ça ne t'est pas sûr qu'il t'ait plus chance pour que il était capable et appliquer n'a signé avec pouvoir mais le nous signons le 12 après nous fin faire réunion de concertation à la veille et le 12 là nous remettre premier ministre Ariel Henry en lettre et nous encourager pour qu'il y aille vers Montana pour y aller vers l'autre parti qui pas signé yo pour que nous rende à quoi plus inclusif le plus possible. Donc ceci n'a jamais été fait. Nous finis par rendre nos comptes après un an que Akoa li pat jamais appliqué. En septembre, nous écrit premier ministre deux lettres pour nous exprimer préoccupation. Alors en septembre 2021, nous finissons nous écrit premier ministre deux lettres pour nous exprimer le préoccupation nous par rapport avec Akoa qui pourquoi appliquer gouvernement pour commettre en place, c'est pour commettre en place organe de contrôle là, nous pas ouais audit institution financière et cap fait, nous pas ouais un processus qui lancé pour assainir finances publiques là et c'est de bagarre que MTV tenir à cœur. Et l'autre bagarre encore, MTV n'a jamais été associé aux grandes décisions. Le MTV a apporté sa signature, mais a aussi apporté une part de légitimité aussi au gouvernement. MTV est un parti d'environ 30 000 membres. Lorsqu'il y a avec MTV Haïti, il y a un ensemble de monde qui accepte ou lorsqu'il y a avec deux, trois petites organisations qui pas organisées et qui pas gagné membres vraiment sous territoire national là. Faut nous dire tout que, à quoi en septembre là, il était créé une situation de tension en dans partie et te gagne l'opinion publique te croit que MDV te fait deux camps ce qui n'a jamais été le cas c'était deux courants qui t'a confronté en dans partie a dans sens ça Richard Sénécal t'est même démissionné parce que il pas d'accord que MDV te continue en dans accord toujours et depuis le mois de janvier 2022 ceci avait fait l'objet d'une réunion avec environ 40 membres, c'était la réunion du groupe de stratégie du parti et par consensus, nous étions d'accord que nous prêté Goumen en d'accord. Mais lorsque Gaza a monté à deux reprises, il n'y a pas associé MDV dans des matchs là. Nous-mêmes, nous étions en l'autre façon, bien que nous avons fait des nous avons fait suggestions publiquement. Et la nomination aussi du docteur Carl François contre la vie et du directoire aussi devine créer plus situation de tension. Mais nous avons géré à l'interne, on n'a jamais mais dénoncer, c'est nous respecter docteur Carl François, nous respecter tout l'autre membre qui prend décision jeudi à puis au fond l'autre chemin politique. Mais lorsqu'il était arrivé moment pour qu'il était sorti dans l'accord, nous t'ai pensé que c'était un signal fort pour nous t'ai voué pour nous dire que MTV reprend l'autre direction. Mais la ligne et de MTV reste la même depuis juin 2019. Nous voulons un accord inclusif. Nous autres du MTV, nous croyons que la solution reste autour d'une table, mais on table avec un vrai agenda national, côté que nous capables vraiment prendre les dispositions appropriées et nous capables prendre décisions qui à la hauteur de moments historiques que nous avons vu aujourd'hui pour que période intérimaire ça les capables réussir. Permettez que me dise un seul bagage pour que on finisse avec tranche ça. Aujourd'hui, les acteurs et actrices politiques yo doué traiter situation haïtienne avec le sens de l'urgence. Pays a pas capable encore. La population est fatiguée. Les entrepreneurs de ce pays, ils sont fatigués de cette crise. Crise là l'a rongé pays a. En 2023, MTV voulait parler solution et depuis novembre 2022, nous autres nous décréter la permanence, nous dans une dynamique de concertation permanente avec d'autres forces politiques et jusqu'à avant-hier, jusqu'à 10h du soir, on était en réunion avec l'initiative et citoyenne pour une sortie de la crise que m'a encouragé à continuer dans des démarche là. On a nous hier en réunion avec d'autres partis politiques et jeudi à n'a continué encore. Nous croyons que accord 21 décembre là, lit largement insuffisant. Tout le monde nous comprend ça. Pendant deux ans, 2019-2021, nous fait expérience stratégie 180 degrés à côté que c'est un seul parti dans ce cercle-là que nous discuter avec lui. Mais je dis, il est clair que le pouvoir ne peut pas avancer sans MDV, ne peut pas avancer sans l'ordre démocratique, il pas qu'à avancer sans AC, il pas qu'à avancer sans Montana, sans Petite Dessaline, sans Famille Lavalas. Il faut voir avec l'autre parti du cercle. OK. Et n'a venu sur accord et 21 décembre là tout à l'heure et pour que ça ne passe rien et on va l'expliquer ça. Ben on était sur 11 septembre là, on évoqué nomination membre MTV dans administration publique là. Il y a eu plusieurs buts de couloir. Je dis que en de MTV n'a pas goumé pour ministère, pour MAV, il y a monde qui était d'accord, il y a monde qui pas d'accord, et on finit par ban nous au Fatma, il y a monde qui boté à joindre nouveau directeur général au Fatma, il y a monde MTV qui pas d'accord.
Donc ça t'est ébranlé et parti à au niveau interne. Qui ça que vrai, qui ça que pas vrai dans toutes les rumeurs ça qui t'a circulé sur MTV et secrétaire général Gazir. Premier ça qui est vrai, c'est que MTV avant la nomination du docteur Ariel Henry comme premier ministre et composture. MTV est clair, il n'est pas aspiré à aucun poste dans l'administration publique là. Le premier ministre Ariel Henry nous a invité à partager des responsabilités avec lui au sein de l'État. Ça fait discussion dans la partie et nous finissons par d'accord. MTV est doit effectivement occuper un poste dans le conseil des ministres là. Le MTV n'a pas été traité avec respect. Nous écrit le premier ministre à 4 fois pour nous exprimer préoccupation sur la non-application de l'accord et nous pas jamais joindre réponse. N'a pas été traité avec respect, ça veut dire quoi? Et nous écrit le premier ministre à 4 fois. Mm-hmm. Nous sommes signataires de l'accord. Mm-hmm. Nous sommes un parti qui a fait une campagne pour que d'autres rejoignent l'accord. Mm-hmm. Donc écrit à 4 fois ou pas faire une réponse, ça veut dire qu'on pas traiter nous avec respect. On ne sait jamais pourquoi. Et l'arrêté de qui devait nommer un membre de MDV comme ministre, il n'y a pas de jambes sorties. À quel niveau? Ça pas, à quel ça poste? Et, quel ministère? Bon, t'es qu'il y a plusieurs discussions, mais à un certain moment, c'était le MAV. Okay. Donc, mais ça pas dérangé MDV. Parce que si MDV était occupé pour ça, nous croyons que c'est PIA qui t'a gagné. MDV t'a fait une bonne gestion. MDV, il t'a fait audit de boîte là. Et MDV, il n'y a pas pris rempli boîte là de militants. Donc, nous t'es d'accord parce que nous t'es voulu montrer PIA ce que pourrait être une administration du MDV lorsque nous prend pouvoir. Donc lorsque ce qui est vrai aussi, nous t'es pas sorti dans quoi lorsque la nomination du docteur Carl François l'y est intervenu. Donc ça vient mettre nos situations mal à l'aise à l'interne que nous t'es voulu gérer à l'interne et jusqu'à ce que l'autre courant qui t'est vlé et que nous pas sorti dans accord là li commencer prendre des décisions publiques, c'est ton bail qui t'est géré à l'interne. Et même la démission de Richard Sénégal qui en pile monde pas de comprendre, il était venu par rapport au fait que nous t'a prend temps pour que nous t'est sorti dans quoi et t'ai gagné une large majorité à ce moment-là qui pas de que MDV t'est rentré l'était dans quoi. Troisième bail qui vrai, MDV pas signé accord 21 décembre pour deux raisons. Première raison, c'est parce que nous tirons leçon de expérience que nous faisons dans l'accord en septembre. L'accord n'est pas appliqué. Et je dis, si nous avons signé un nouveau accord, même si nous avons signé le 12 septembre 2021, nous te remettons premier ministre en lettre, nous te demandons que les joueurs de bons offices, les joueurs de sagesse politique, pour que élargissent le consensus là. Mais je dis, nous n'avons pas signé un texte qui sont stratégie 180 degrés. Côté que l'autre boa moun qui partage même point de vue avec eux, yo pas là. MTV pas prêt jodi a pour le signer un texte qui pas gagné assez là-dedans, qui pas gagné l'autre démocratique, qui pas gagné en avant, qui pas gagné l'autre parti, qui pas gagné Montana. On pas dit que forcément faut toute parti signer, on parti ka vle li même qui en posture de non aligné, mais il faut que ce soit inclusif. Donc l'accord du 21 décembre li pas mette PIA en confiance. Deuxième raison, permettre que moi-même fini pour me dire. C'est parce que là nous fait analyse dans MTV, nous rendons compte que 21 décembre là li bay possibilité de 4 figures. Premier 4 figures là, c'est si élection faite avec la réforme constitutionnelle. Là nous, premier ministre Ariel Henry risquait concrétiser erreur que président Jovenel était bral faire lorsque il dit a fait un référendum qui pas fait objet de un consensus national. Et si élection t'a faite avec une réforme constitutionnelle, dans situation ça, sans un consensus national, eh bien, a parti pour 10 ans de crise. Deuxième cas de figure là, c'est si élection faite sans réforme constitutionnelle là. L'encas ça nous bral gagner pour nous faire élection en 2025 pour tiers sénat, en 2027 pour député et l'autre tiers sénat et magistrat, et nous bral faire élection en 2028 pour président. Donc, nous risquer et continuer dans même cycle de déstabilité ya, et qu'on est en crise post-électorale. Troisième cas de figure, si rien n'est fait. C'est-à-dire, si réforme constitutionnelle n'a pas fait, si constitution n'est pas révisée. Donc, dans fin année, pays a perdu 1 an
Premier ministre Ariel Henry, il va nous situation pour que les négocier un nouvel accord et pour lui ajouter un an de plus pour le passer au pouvoir. Mais qu'on quatrième cas de figure, et c'est là lui-même MTVE, c'est si nous arrivons à réaliser une grande entente nationale pour rétablir la sécurité, rétablir l'autorité de l'État, initier les réformes, faire révision constitutionnelle là dans le cadre un consensus national, poser base au changement en Haïti. Pour qui ça MTV toujours a prôné un large consensus et voulait un grand entente. Nous faisons une lecture dans MTV. Toute revendication population haïtienne nan, depuis 40 ans l'a dit un seul bagay qui résumé qui nous capable résumer dans une seule phrase. Crise que nous vivons là, c'est une crise de fin de cycle. Il y a un modèle économique et social qui construit en Haïti qui génère misère, inégalité, exclusion, qui génère un système qui chita sous corruption et impunité, li pas qu'à continuer. Tout ça moun yo a dit dans la rue a résumé à un seul bagay. Jeune yo k'ap mande accès à crédit. Jeune yo k'ap dit que yo vle vivre dans pays yo qui ta aimé gè accès à bon jan soin de santé. Paysan je dis à la ki wè que le fait 50 ans 60 ans k'ap travail, li pa k'ap pran on retraite là. Moun ki ta aimé travail dans pays a, moun k'ap mande investisseur, k'ap mande sécurité, entrepreneur k'ap mande sécurité yo, yo dit yo fatigué de crise ça. Et on en a marre de ce système. Donc, nous arrivons à un moment historique pour que nous redéfinissions la gouvernance dans le pays, nous poser base au nouveau l'État. On l'État qui plus haïtien, on l'État qui plus humanisé, qui plus socialisé, on l'État qui capable permettre que nous capable réaliser en Haïti 30 ans de stabilité politique, 30 ans de bonne gouvernance, 30 ans de croissance continue. C'est là MTVE, c'est ça que nous voulons pour la population et c'est ça que nous avons cherché jeudi à, et c'est ça qui fait que nous avons une dynamique de dialogue permanent avec d'autres forces politiques et jeudi à, il y a une initiative et naissante et émergente, c'est l'initiative pour une sortie de la crise qui gagne la tête du pasteur Sylvain Exantus, moi encourager yo, MTVE encourager yo, continuer dans des démarche là, pas quitter porte là fermée pour personne monde, ni le pouvoir, ni et Montana, ni parti politique qui passe signé à aucun accord, et m'a demandé tout, à tout le monde qui signe accord 21 décembre, nan, accord 21 décembre, nan, nous connaissons que li largement insuffisant, faut nous pas quitter aucune porte fermée pour personne. Faut que nous capables de gagner sagesse politique ça, sagesse que conjoncture l'a demandé pour nous comprendre que, on groupe monde pas qu'à résoudre problème pays à pour contre les jeudi à. Et chaque jour qui passe, c'est pays à qui a perdu. Haïti, perdu 2022 à. Économie pays à, a effondré, touriste pas rentré. Je dis à entrepreneur, c'est force, y a force, et kembe. Marché titanien presque pas existé encore. Cadaran qui te gon, on bonne activité économique, yo disparaît, je dis à. Nan Jérusalem, nan Onaville, nan Matissan, gon bon moun ka perdu bien yo. C'est la vie moun qui menace, c'est avenir en jeunesse que nous avons gaspillé, et élite politique là, je dis à. Élite économique et sociale pays ça, je dis à. Li doit faire preuve de peu d'éthique de responsabilité vis-à-vis de l'avenir, vis-à-vis des générations à venir. Et MTV, c'est dans ça que nous croyons, c'est dans l'in ça que nous y est nous-mêmes. Mm-hmm. Nous voulons une grande entente nationale. Mm-hmm. Nous ne sommes pas en face du premier ministre Ariel Henry. Nous devons que nous clair sur ça. Nous ne sommes pas en face de l'accord du 21 décembre. C'est quand même un bon pas que des Haïtiens comprennent que c'est autour d'une table que nous sommes capables de résoudre la crise là. Mais y a pas qu'à faire personne moun croit que ça capable permettre que nous aller vers de bonnes élections inclusives et crédibles, ça pas qu'à ramener le pays sur la voie de la normale et du fonctionnement normal, li pas capable permettre que nous retourner sur Monsieur la Kaze, voie de la stabilité politique. Monsieur Kaze, ou dit que accord 21 décembre li insuffisant, même j'ai moun ki saluer aboutissement à accord ça, yo mettez d'accord sur le fait que et yo pa jamais joindre un consensus à 100% pour sortir pays à dans crise là, on a besoin consensus minimal pour capable rétablir sécurité et organiser élection pour remettre pouvoir bay de monde qui choisi par et à l'issue des élections. Qui ça argumenter ça vaut pour le fait que nous pa jamais joindre un consensus à 100% dans pays? Non mais on te dit tout à l'heure, nous pa jamais ka joindre 100% de groupes organisés dans la société civile là, ni parti politique, viennent participer. Mais cependant, il y a deux forces qui clairement identifiées dans le pays,
gagne des associations qui représentatives de secteur. Je dis à on partie de d'environ 30 000 membres quand même devait pas qu'à ignorer le parti comme pour famille Laval. Est-ce que ou pas qu'à ignorer le MTV n'a pas été invité aux discussions et a abouti à l'accord du 21 décembre. On a même écrit au premier ministre Ariel Henry pour nous dire que nous apprenons que gagnent des démarches qui en cours à la recherche d'une solution à la crise. Il pas répondre nous. On pas dit que le premier ministre Ariel Henry veut mettre le MDV à l'écart, je lui donne le bénéfice du doute et m'pas croire que ça t'a n'a pas le tout. Mais si nous regardons dans l'histoire récente de ce pays, des monde qui te comprennent que était tout puissant, même lorsque les militaires ont fait le coup d'état en 91, ils te comprennent que ils te dit que on poule pas qu'à fin prononcer pour rentrer encore. Donc, ben c'est que je dis à le pouvoir, il doit faire preuve de sagesse politique et comprendre que je dis à on ne peut pas avancer sans Montana, on ne peut pas avancer sans MDV, on ne peut pas avancer sans les autres partis politiques. Donc, Haïti a, c'est pour nous toutes liées, nous un moment côté que premier monde qui pouf by exemple lancer premier ministre Ariel Henry pour comprendre que faut nous réunir en vraie table. En table qui capable gagner côté capable poser vrai problème pays a, nous capable faire discussion yo avec hauteur que ça mandé, mais tout à chaque leader politique jodi a là, il mandé pour nous faire preuve d'un peu de conscience d'élite et poter et mettez jodi a crise ça sous mettez prend toute responsabilité nous dans crise ça pour que 2023 li capable en tournant pour Haïti. C'est ça nous même nous souhaiter que 2023 li capable yon tournant pour Haïti. Regardez ça qui passé dans pays aujourd'hui là. Si hier ou te font coup d'œil dans gymnase Vincent, pourquoi qui quantité de monde qui allait faire un passeport avec espoir que yo va bénéficier de programme humanitaire président Biden là. Donc ça veut ça au monde qui a fait politique dans pays ça, ça doit dire yon bagay. Ou doit mettre intérêt personnel ou de côté. Il est temps de voir Haïti en premier aujourd'hui. Côté entrepreneur, côté gen l'argent dans pays ça, ko pa travail, côté gen moun la ba k'ap fè transfert pour pa gen personne moun nan pays a ki ka di que la bien passé. Tout moun a vive sous stress, tout moun a vive avec le risque que on bandi li bon on balle nan tête et pour pas rentrer la caillou, famille perdio. C'est ça que nous avons vu aujourd'hui. Et c'est ça qui fait que m'a profité de Micro Magique 9 pour me lancer un appel à l'unité de la famille haïtienne. L'heure est venue de réaliser la grande entente nationale. Si on moun ou dit wap fait politique dans pays ça, eh bien, m'a dit que population haïtienne aujourd'hui, il pas quoi dans discours politique encore. Il est fatigué de politiciens yo, il est temps que nous bail engagement nous dans politique en sens. Et c'est ça population attend dans mais nous. Maintenant, nous favorables à rétablissement sécurité pour organisation élection, nous favorables tout à réforme constitutionnelle qui j'en ouais deux chantiers ça yo et casé et c'est pratiquement et dernière question pour qu'on mette fin avec l'entrevue. La sécurité, c'est la première urgence aujourd'hui. Nous sommes pour le rétablissement le plus vite possible de niveau acceptable de sécurité. Dans l'accord 11 septembre, il te prévoit que il t'a mis en place encore la police nationale là qui était capable d'attaquer cette haute criminalité en Haïti, ce terrorisme naissant. Il est clair que la police nationale que nous gagnons là aujourd'hui là, il pas gagné ni moyen logistique, des armes, ni matériel roulant, ni moyen technologique pour faire face à grand banditisme qui gagne en Haïti aujourd'hui là. Haïti ne peut pas s'en sortir seul. Nous d'accord sur ça. On a besoin du support, de support important de nos amis, de la communauté internationale aussi. Mais je me questionne sur deux choses. Un, la volonté du côté haïtien pour nous rétablir sécurité tout bon dans le pays. Parce que depuis, m'bac à comprendre que depuis environ 3 ans, MTV a demandé que qu'on vertine qui fait dans la police nationale là, ceci n'a jamais été fait. Et d'être démarche pour mettre corps ça en place, l'hypocou jamais initié. Et pourquoi jamais gon intervention après environ 18 mois dans Matissan. La deuxième chose sur laquelle je me questionne, c'est la sincérité de la communauté internationale. Nous voyons que le secrétaire général des Nations Unies, il écrit à Conseil de sécurité, pour lui dire que, il est urgent que y ait une force
militaire international qui déployé en Haïti. Et en même temps, les États-Unis et à les solliciter Canada pour solliciter Canada pour prendre leadership intervention ça, mais l'ambassadeur canadien aux Nations Unies lui dit que cette question-là est derrière nous. Donc cela revient à dire pour moi et pour conclure que c'est haïtien pour prendre situation haïtienne au sérieux, et dès lors que haïtienne commence à prendre situation haïtienne au sérieux, on va comprendre que il faut se réunir autour d'une table inclusive. MDV pas pour une table côté que n'a exclu personne, mais MDV pas pour une table mettre dame tout côté que nèg c'est poste que on va défendre son bagage retiré puis on mettre pas. Je dis à la dynamique politique que nous vivons là, c'est pas une dynamique pour moun chercher poste, moun chercher mettre ambassadeur, mettre cartel magistrat, c'est pas ça que démarche ta doyer. Voyons le pays d'abord. Si pays a bon, la bon pour nous toutes, mais d'abord la bon pour moun qui positif. Les pays a gen bon l'hôpital, ministre Berto pas ta besoin à plein que le bral prend soin à l'étranger. Si pays a bon, on jeune pas ta obligé à dépenser on des milliers de dollars américains pour le bral établir en Chili, pour le bral établir le Brésil, alors que l'ITK a commencé un petit business dans le pays. Il est temps de faire émerger une nouvelle classe de jeunes entrepreneurs de ce pays. Il est temps de faire une autre expérience, l'expérience de la stabilité politique, de la croissance continue et partagée, l'expérience de la bonne gouvernance. C'est ça que le pays a besoin et c'est ça qu'il y a tant de responsables politiques qui doivent, je dis, faire preuve d'éthique, de responsabilité. Ce moment historique, dit c'est un cafou changement que lié pour Haïti. Nous y venons un moment pour nous faire changement. M'a besoin dernier bagaille pour me finir. La communauté internationale li joine une occasion extraordinaire jodi a pour que li montre li gen l'autre regard de Haïti. Ça qu'a profilé à l'horizon là et que MTV voulait éviter, c'est 10 ans de crise captain nous 2024-2034. Pas gen aucun analyse qu'on moun ou capable faire pour dire si accord 21 décembre ça Jean y est là nous appliquer si bagay yo Jean y est là nous al faire des élections, c'est pas 10 ans de crise que nous a préparé pour tant de pays là. Communauté internationale là qui déjà beaucoup très impliqué en Haïti, moi lancer appel ça à lui même pour me dire il est capable jouer un rôle jodi a pour nous éviter à Haïti 10 ans de crise. Et tout le monde que MTV l'a parlé avec yo nous dit en éviter à Haïti 10 ans de crise 2024-2034 là. Solution li autour de on table, premier ministre Ariel Henry, MTV pas gen problème pour chita avec vous pour nous chercher solution. Nous pas gen problème pour nous chita avec n'importe l'autre monde. Semaine là nous chita avec et Montana, nous chita avec initiative citoyenne dans plusieurs reprises, nous chita avec l'autre parti politique. On a rencontré et le Canada. Le dialogue est permanent dans ce pays et chaque monde doit comprendre que au moins pour les 48 prochains mois à venir, à chaque seconde, il faut dialoguer. Merci beaucoup, je suis un petit casier.